Jésus-Christ est souverain sacrificateur, supérieur à ceux de l'ancienne alliance. Son sacerdoce les constitue médiateur d'une alliance nouvelle et définitive. Son sacrifice est unique et parfait. Shalom, Église dédiée, c'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi. Nous sommes là pour notre 9e émission sur les mystères du parfum et de l'encens. Nous commençons par cette adoration qui nous introduira par rapport au thème de ce matin. Que la grâce de Dieu vous localise et que rien ne manque, rien ne soit détruit. Que le surnaturel nous accompagne et que le Saint-Esprit nous assiste pour ce message qui est extraordinaire. Nous parlons de Jésus. Amen. Aide-moi à parler de Jésus. Amen. Clique Jésus. Si tu me suis en direct, clique Jésus et dis: Papa, parle-nous de Jésus. Je suis venu te parler de Jésus. Amen. Akumame, oh Akumame, Jésus. Akumame, oh Akumame, Akumame, Papa, Akumame, Jésus, Akumame, Rabado, Akumame, Bisomba, Mana Yeswe, Bisomba. Oh, bisomba mba na Yeswe, bisomba mba. Oh, bisomba mba na Yeswe, bisomba mba. Oh, bisomba mba na Yeswe, bisomba. Akumame, oh, akumame, Jésus. Akumame, oh, papa. Oh, akumame, Jésus, akumame, oh, akumame, akumame, oh, Jésus, akumame, Jésus, akumame, Asha, Mendoro, Rabarouchete, oh, ah, bisomba, Bana Yeswe, bisomba mba. Oh, bisomba mba na Yesu, bisomba mba, jiraba. Oh, bisomba mba na Yesu, bisomba. Elombe, ya vina nga, oh, Yesu elombe, Jésus, na yembi, ya vina nga, shalabado. Yesu elombe o na yembi o ya vinanga a sharabalo sete. Pourquoi Pilate a dit: voici l'homme, mais Jean-Baptiste a dit: voici l'agneau. Mbongambe la tingoto ya bolembu alonga bitumba ya Théophile. Parce que Pilate a dit: le fils de l'homme, mais Jean-Baptiste a dit: le fils de Dieu. Mbongambe la tingoto ya bolembu alonga bitumba ya Théophile. Yesu elombe Jésus, oh ya vinanga sharabaruse. Oh Yesu elombe na yembi ya vinanga Jésus arasha. Bisombamba na Yesu, bisombamba sharaba. Oh ngasembamba na Yesu, ngasembamba na potikate, ngasembamba na Yesu, ngasembamba na kolembate, ngasembamba na Yesu, ngasembamba na
na kuti kate ngase mbamba sena yeswe ngase mbamba bofinga na bino ngase mbamba na yeswe ngase mbamba atabo bwa kingai ngase mbamba na yeswe ngase mbamba atabo fingi ngase mbamba na yeswe ngase mbamba atabo boy kondi manga ngase mbamba na yeswe ngase mbamba akumame la chacha mata akumame Jésus bonzambila tindoto ya bolembu alonga bitumba ya Théophile yeswe lombe Mona bonzambe ya vinanga ashala baba baba oh yeswe lombe na yembi bonzambe na vinanga Jésus yeswe lombe oh ya vinanga shala baro setama yeswe lombe ah oh ya vinanga shala baro bisombamba na yeswe bisombamba bisombamba sena yeswe bisombamba bisombamba na yesu bisombamba shalom 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 shalom. Ça me fait tellement du bien, vous savez, quand je commence à adorer, j'ai pas envie d'arrêter. Amen. J'ai envie de continuer, mon cœur pleure, mon cœur saigne, mon cœur gémit devant le trône de la grâce de Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu, quel amour. Quel amour. Amen. Quel amour. Rekamantoloshete. Quel amour. Quel amour. Quel amour. Quel amour. Quel amour. Rabaru Shetaman, quel amour, 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 quel amour. Rekabada Shataman Toro Shete bébé, quel amour, quel amour, quel amour. Shotoboro Shata. Père, je te bénis, je te rends grâce pour ton amour dans ma vie. Je te rends grâce car c'est toi qui m'aimes. Je te rends grâce car c'est toi qui m'aimes. Rekabaru Shete bébé, bébé. Rabaro chete bobo bobo, rekabaro chete mantara, rekabaro chete bébé bébé bébé. Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix, il a pris ma place, un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné, il a pris ma place. Il a pris ma place, Jésus, il a pris ma place. Il a pris ma place, mon Dieu fidèle, mon Dieu fidèle, fidèle, il est fidèle, mon Dieu fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Chatamantoyo. Mon Jésus est fidèle. Rabado Chata. Mon Jésus est fidèle. Mantayasha. Mon Jésus est fidèle. Chalamayosa. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Même si nous tombons dans l'infidélité, lui demeure fidèle. Oh mon Inga Malam, mon Jésus est fidèle. Chatsamanda Yassa, mon Jésus est fidèle. Lui ne trahit personne. Mon Jésus est fidèle. C'est lui qui m'aime.
m'aime sans condition. Rabadoche Tsebeloche, c'est lui qui me soutient toujours, qui ne m'abandonnera jamais. Rabadoche Tseb, jusqu'au séjour des morts, il sera toujours avec moi, c'est l'ami fidèle. Roboroche Tseb, même ton ami le plus intime ici sur cette terre, les jours de ton décès, de ta mort, il t'abandonnera. On ira t'enterrer et ils rentreront. Même ton époux, même ton épouse t'abandonnera. Rabacheka, il ou elle épousera un autre ou une autre. Mais il y a un ami fidèle qui ne te laissera pas même dans les séjours des morts, parce qu'il va te ressusciter. La Bible dit, nous qui sommes vivants, nous ne monterons pas les premiers, mais à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, premièrement ceux qui sont morts à Christ ressusciteront. Et nous aussi, en un clin d'œil, nous serons transformés pour monter au Jésus, aller au ciel, rencontrer l'époux qui viendra enlever son église, son épouse. Monte metindingai, na lukanzambe ya bomoi. Monte metindingai, na salelanzambe ya bomoi. 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 Jésus. Monte metindingai, na yebanzambe ya bomoi. Monte metindingai, na yebanzambe ya bomoi. Na yebanzambe ya bomoi. Quel amour. Na yebanzambe ya bomoi. Na yebanzambe ya bomoi. Na yebanzambe ya bomoi. Habaroshitimu, uroshitibu. Uburushira mayesata. Ah! Oleki bango, oh. Oleki bango, Jezi. Namakase, oleki bango, oh. Na lokumu, oleki bango, eh. Habaroshitimu, ababa. Zambe na ngale kina nyonso papa. Mubali atembe atonda bolingo. Papa na ngale kina nyonso. Elumbe mubali atonda bolingo. Ule kibango. Ule kibango. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quel amour. Jésus, donne-moi la paix. Saint-Esprit, nous voulons parler, l'Esprit est soumis aux prophètes, nous voulons parler pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Amen, Amen, Alléluia, que mon Dieu vous localise, Amen, oh mon Dieu, c'était plus fort que moi, je ne pouvais pas résister, Alléluia, je vais parler des choses profondes d'aujourd'hui, Amen, alors, nous sommes sur notre texte, que nous sommes en train de décortiquer. Alléluia, nous parlons du troisième élément. J'avais parlé du premier élément. Le premier élément, Le premier élément, on a parlé du sel. Et le deuxième élément, Jésus, attends, je vais... Le premier élément, on avait parlé du sel. Et le deuxième élément, c'était Rabadashatamanda. On va parler du deuxième élément. Il y avait une question, Amen. Une femme de distinction avait posé une question. Je vais l'encourager. Merci, Maman Goudet. Je vais vite ta question. Je vais répondre après. Amen. Rabadoshetibarasha. Donc, nous sommes sur Exode. Exode chapitre 30. Amen. Je peux aller. Exode chapitre 30, verset 34. Parce qu'au fait, il y a plusieurs versions. Exode chapitre 30, verset 34.
Barachet Samanga, Exode, chapitre 30, verset 34. Exode chapitre 30, verset 34. Amen. La question c'était sur Stacté. Alléluia. La question c'était sur Stacté. Voulons-nous baser par là? Rekamantoro Chete. Rekabado Chete Mendo. Exode chapitre 30, verset 34. Nous voulons répondre d'abord à la question de Maman Godé. Maman Godé livre. Amen. Alors, je vais commencer d'abord à récapituler, après je vais répondre. Donc, nous avons d'abord vu les sels. Amen. On a vu les sels donnent du goût. On a vu les rôles du sel par rapport au parfum. On a vu que les sels étaient recommandés à être mis dans tous les sacrifices. Tous les sacrifices étaient accompagnés avec du sel. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement, les dieux de la Bible parlent. Les dieux de la Bible est fidèle. Les dieux de la Bible opère. Les dieux de la Bible agit. Et il donne notre vie du goût. Alléluia. J'insiste, tu n'es venu accompagner personne sur la terre. Alléluia. Est-ce que je peux encourager quelqu'un? Tu n'es venu accompagner personne sur la terre. Jésus-Christ qui t'a appelé, il t'a appelé pour que tu aies aussi une vie de joie, une vie de paix, une vie d'amour. C'est ça, quand on dit shalom, que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Les problèmes, il n'y a pas une prophétie qui dit que nous allons tous devenir des milliardaires, des millionnaires. Alléluia. Mais notre pain quotidien, on doit quand même avoir quelque chose à manger. Alléluia. Nous devons avoir le minimum, comme on dit, le minimum. Alléluia. Nous devons avoir le minimum à manger. Nous devons avoir un peu quelque chose que nous puissions mettre sur notre dent. Amen. Nous devons avoir de quoi à boire. Alléluia. Nous devons avoir de quoi à se vêtir. Alléluia. C'est pourquoi les enfants d'Israël ont marché pendant 40 ans dans le désert. Ils n'ont pas manqué à boire, ni à se vêtir, ni à manger. Dieu était toujours là pour les soutenir. Et après le désert, c'était la terre promise. Alléluia. Donc ta vie ne peut pas t'arrêter. Ne peut pas s'arrêter comme ça en vain. Et que toi, tu ne prospères pas. Tu ne fais que pleurer toute ta vie. Là, tu ne seras pas un parfum. Ta vie ne sera pas un parfum d'une bonne odeur. C'est pourquoi je prophétise que ta vie soit un parfum d'une bonne odeur. Alléluia. J'ai dit que ta vie soit un parfum d'une bonne odeur. Alléluia. Rekamantoro chete bébé bébé. J'avais la question ici. Malheureusement, je ne retrouve plus la question. Parce que j'ai... Roboro chete samanda yasha. Mais quand même, je vais essayer de récapituler. Stacté, ce n'est que la sève. Amen. De l'arbre qui donne la myrrhe. Amen. Et j'avais expliqué que ça représente... L'embaumement, ça représente un produit pharmaceutique. Ça représente aussi l'apaisement. Amen. Ça représente tout ce que Jésus a fait sur la croix. La souffrance. Ça a annoncé la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Ça a annoncé la mort de Jésus-Christ. Rabata satamandoro shatsababa. Rekabaro shetsebeo shira mandayase. Alors, à part Stacté, et nous avons parlé du sel, j'ai expliqué le sel. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de notre troisième élément parce que j'ai beaucoup adoré. Je vais répondre après dans les détails. Parce que si je commence à développer ça, j'ai pris beaucoup de temps dans l'adoration. C'est le Saint-Esprit qui m'a conduit. On ne va pas avancer aujourd'hui. Amen. Donc, les mots à plusieurs significations. J'avais dit qu'on peut aussi changer ces mots. Ici, c'est... en grec, stacté. C'est, vous savez, le français a des origines. Il y a des mots qui sont ici des grecs. Il y a des mots qui sont tirés des latins. Amen. Donc c'est ça. Le français est constitué des grecs et du latin. Et la Bible a été écrite en grec et en hébreu. Et souvent, les explications que nous avons en français sont tirées du grec. Et parfois, on prend l'hébreu, on compare avec les grecs et on cherche à ajuster un mot. C'est pourquoi vous verrez, il y a plusieurs versions avec plusieurs mots. Mais les mots exacts, c'est, j'ai fait les études, j'ai compris que les mots qu'il fallait, c'était stacté. Amen. Alors aujourd'hui, on va y revenir. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates distactés, de l'ongle odorant, des dix galbanum et de la sang pur. En partie égale. Tu vois ici, par exemple, dans Louis II, pour notre troisième mot, Amen,
pour notre troisième mot, ici on parle de l'ongle odorant. Mais ici, quand on va aller voir, il y a d'autres versions, on parle de coquilles. Amen. Donc des coquilles. Des coquilles sont des. On va apprendre ça aujourd'hui. Rabadachete bébé. Sont des mollusques. Amen. Des mollusques sont comme des escargots. Des mollusques gastéropodes. Amen. Par rapport à leur forme, des coquilles, des escargots, des coquilles, comme des moules qui se cachent dans leur carapace. Amen. Alors maintenant, leurs ongles, c'est ce qu'on appelait onyx aussi. On appelait aussi leurs ongles onyx. En hébreu, c'est shekelet. Bon, je ne vais pas beaucoup parler de l'hébreu grec, ça c'est encore plus haut, ça c'est pour les théologiens. Mais pour nous, j'aimerais que l'enseignement soit un peu plus simple. Que l'enseignement soit un peu vraiment plus simple pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que l'enseignement soit un peu plus simple. Donc ici, il est question des mots, Maman Godet, il est question des mots. Et chaque version donne un mot. Alléluia. Maintenant, tu dois avoir la révélation ou bien comprendre que signifient ces mots. Il faut aller dans les détails. C'est le travail que je suis en train de faire. Amen. C'est le travail que je suis en train de faire. C'est vraiment important que nous puissions comprendre ces mots-là. Alléluia. Donc, comme j'avais dit par définition, je répète tout simplement ce que j'avais dit. Ces termes grecs signifient la goutte qui coule de l'arbre qui produit la myrrhe. Ça, c'est stacté. Amen. La goutte, stacté, veut dire en grec. Amen. Le terme grec signifie la goutte qui coule de l'arbre qui produit la myrrhe. C'est ça le terme stacté. En hébreu, on appelle ça nef. J'avais dit N-E-E-P-H. Qui signifie véritablement la myrrhe en liqueur ou en huile de parfum. Donc, c'est presque la même chose. En grec, on dit seulement la goutte qui coule de l'arbre qui produit la myrrhe. Amen. Mais en hébreu, on donne la goutte là, sa nature. Amen. La goutte là est en forme de l'huile, de parfum. Et on utilisait ça aussi pour faire des liqueurs. Alléluia, n'oubliez pas, c'était des drogues, c'était des médicaments. Amen. Drogue comme médicament. Quelqu'un a été béni. J'essaie de répondre un peu, mais en détail, la question, j'ai perdu la question, c'est pourquoi ça m'a pris du temps. Alors, j'avais dit chaque élément représente la mission de Jésus ou bien la vie de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous avançons. Nous allons prendre un élément extraordinaire. Alléluia. Nous allons apprendre, parce que nous allons utiliser cet élément, prendre aussi un élément extraordinaire selon les versions. Amen. J'ai dit, il y a plusieurs versions. Donc, selon les versions, nous allons utiliser cet élément pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous sommes toujours dans Hébreux. Exode. Donc, chaque jour, vous avez remarqué, je lis toujours Hébreux. Amen. Nous parlons du sacerdoce, au fait. Alléluia. Amen. Rabadoché. Alors, la version française courante dit ceci. Le Seigneur dit encore à Moïse, procure-toi des substances odorantes, storas. Tu vois, ici, on ne peut pas stacter. On dit storas et onyx et galbanum. Ajoutez-y une quantité égale dans 100 pires. Alors, ici, j'ai choisi les mots pires. Amen. Les mots d'origine, c'est qu'on appelle ça vraiment. Alléluia. Quand on dit l'ongle de tel animal, là, ce n'est pas le nom propre. Là, c'est l'ongle de. Amen. Dans d'autres versions, vous allez voir, c'est l'ongle de mollusques. Amen. C'est l'ongle des coquilles. Donc, comme vous voyez l'escargot. Alléluia. Je vais vous expliquer ça. Cette révélation, c'est extraordinaire. Alléluia. Alors, l'escargot, bien les moules, les animaux-là, il y a une particularité. Je sais que je vais donner cette révélation. On va aller tout droit au but pour ne pas vous compliquer. Alléluia. Alors, normalement, leur ongle, on peut appeler ça ongle odorant. Leurs ongles représentent aussi leurs pieds. Ils n'ont pas de pieds, mais vous voyez, ils se cachent dans leur coquille et après ils sortent, ils commencent à marcher. Mais lorsqu'ils rentrent pour se protéger, ils s'enferment à partir de leurs ongles. Ils ont plusieurs petits ongles. Et c'est à partir de cet ongle-là qu'ils protègent. Vous voyez, la coquille n'a pas de couvercle. Vous comprenez? Leur coquille n'a pas de couvercle. Mais maintenant, quand ils rentrent dedans pour se protéger, comment est-ce qu'ils font pour qu'ils... la chaleur ou bien c'est l'animal qui est en train de l'attaquer ne puisse pas la voir, ils utilisent ces ongles-là qui sont efficaces pour se couvrir. C'est comme un bouclier.
Les ongles là sont utilisés comme un bouclier. Mais ce qui est extraordinaire, oh mon Dieu, la parole de Dieu est extraordinaire, c'est goût, ça goûte comme du lait, comme du miel. Alléluia. L'ongle là a l'odeur des parfums, a une odeur agréable. Les ongles, leurs ongles qui se protègent avec. C'est pourquoi je donne la définition lentement aujourd'hui, pour que nous ne puissions pas répondre comme stacté. Onyx, ou bien les ongles odorants, l'ongle odorant, n'est pas un produit végétal, mais c'est un produit animal. Alléluia. C'est l'operkyl corné ou calcaire en forme de griffes, amen, ou d'ongles, alléluia, fixé au pied de certains mollusques. Ce n'est pas dans tous les escargots. On appelle ça des mollusques gastéropodes par rapport à leur forme de coquille. Et dont la fonction est de fermer l'ouverture de la coquille quand l'animal se retire à l'intérieur. On appelle ça aussi ongle odorant ou coquillage odorant. Alléluia. Donc, ce n'est pas tous les coquillages qui sont odorants, mais seulement les ongles là. Oh mon Dieu. Shadamandaya, Dieu est mystérieux. Mais maintenant, Dieu envoie qu'on aille chercher les ongles là. Et qu'on, c'est pourquoi il fallait broyer ça. Vous comprenez? Comme ces ongles-ci, il y avait des choses à broyer. Vous voyez ça? Il fallait broyer. Ce qui est liquide, on séchait ça. Il fallait aussi broyer. Alléluia. La myrrhe aussi. Ça sort en liquide, mais ça, quand ça sèche, ça devient dur. Il fallait broyer. Vous voyez l'image? La myrrhe aussi, c'est blanche. Quand ça sort, c'est liquide, mais il fallait broyer. Amen. Et Rabada Shatama. Et ça, onyx aussi, ce sont des ongles, il fallait broyer pour créer la poussière. Amen. Oh mon Dieu. Écoutez maintenant la révélation. Jésus, que signifie ces choses? Alléluia. Pourquoi Dieu envoie Moïse à aller chercher? Ce ne sont pas des choses à trouver facilement. Ça, c'est ça. C'est pourquoi j'ai dit les mystères des choses de Dieu, il faut aller creuser dans la profondeur. Est-ce que vous savez que ces animaux habitent dans des pierres, à côté de l'eau, dans des endroits à côté de l'océan, parfois au fond de l'eau? Et il fallait maintenant aller les attraper, les tuer et prendre leurs ongles. Alléluia, précisément. Et on dit que ça, une odeur agréable, extraordinaire. Oh mon Dieu. C'est sous forme de cornets calcaires. Amen. Donc c'est ce qui les protège quand ils entrent dans leur coquille. Alors là, ils se protègent par rapport à ces ongles-là comme bouclier. Amen. Retiens seulement les mots. Ils utilisent ça comme porte, fenêtre, bouclier, protection, comme clé. Alléluia. Et ils utilisent aussi pour marcher quand, lorsqu'ils sortent. Donc pour tenir des choses. Parce que pourquoi, c'est pourquoi quand il est pété, il peut monter sur des murs, sur des pierres, sur des choses. Parce qu'ils ont des ongles, mais c'est tout petit. Vous ne pouvez pas voir ça. Mais ça a un goût odorifiant. Amen. Rabadal, ongle odorant, ou coquillage odorant. Ce n'est pas toute la coquille, mais seulement les ongles là. Oh mon Dieu. Rekabala. Ah. Qu'est-ce que Jésus veut encore nous dire ici? Amen. Dis, parle-moi de Jésus. Dis, parle-moi de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous tombons directement sur Jésus. Alléluia. Dis, parle-moi de Jésus. Dis, parle-moi de Jésus. Rabadasha, tsamande yasa, tsabababa. Oh mon Dieu. Dis, parle-moi de Jésus. Amen. Nous tombons directement sur Jésus. Hébreux 12, verset 1 à 3. Oh mon Dieu, j'ai dit, c'est extraordinaire. J'ai dit, quelqu'un sera béni aujourd'hui. Quelqu'un sera béni. Encourage-moi, dis, parle-moi encore de Jésus. Alléluia. N'oubliez pas, ici, c'est le souverain sacrificateur qui entre. Mais il doit avoir ça. Pour faire quoi? Pourquoi ces ongles-là doivent être mélangés? D'abord, à cause de leur odeur, c'est une bonne odeur. Mais les ongles-là sont utilisés aussi pour se protéger contre les combats. Ça annonce toujours la vie de Jésus. Alléluia. L'ongle-là, il y a, comme on dit, il y a une contradiction. Quand quelqu'un traverse les épreuves, quand on est attaqué, normalement, on devient méchant. On devient dire, alléluia, on devient insolent, ça nous arrive aussi, alléluia. Mais cette sagesse est extraordinaire, c'est pourquoi il n'a pas ouvert la bouche. Jésus a été crucifié comme une brebis qu'on mène à l'abattoir. Amen. La brebis ne parle pas, l'agneau ne crie pas, alléluia. Robodo Shetza. Écoutez maintenant, Hébreux 1, verset 12
et non, Hébreux chapitre 12, pardon, Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, après avoir parlé des héros de la foi, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Alléluia. Le chef et le consommateur de la foi. Beaucoup s'arrêtent là. Écoutez maintenant. En vue de la joie qui lui a été réservée. Alléluia. A souffert la croix. On parle de la souffrance de la croix. Et écoutez maintenant. Mépriser l'ignominie. Et alléluia. A souffert la croix et mépriser l'ignominie. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition. Alléluia. Souvenez-vous, les hommes là, c'est les boucliers. Amen. Alléluia. Donc, Jésus, coquille, ça veut dire protection devant les problèmes. Amen. Oh, je parle à quelqu'un, la coquille ici représente la prière. Alléluia. Quand il est oppressé, quand il est attaqué, quand il y a des combats, quand il y a des choses, des vents qui arrivent dans ta vie, entre dans ta coquille, entre dans la prière, entre en retraite. Coquille aussi, c'est la grotte. Vous voyez, Élie, il a fui, il est parti prier dans la grotte. Cache-toi et montre-toi. C'est ce que fait ces mollusques qui se... Ils entrent dans leur coquille. Mais maintenant, la porte de leur coquille, ce sont les ongles là odorantes. Écoutez, je vais vous expliquer maintenant les ongles odorantes. Il est dit, c'est lui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Oh mon Dieu, aujourd'hui je suis venu encourager une personne. Alléluia. Oh mon Dieu, Rabadacha. Je suis venu encourager une personne. Alléluia. Donc, devant ces épreuves, c'est ça le parfum. Écoutez maintenant. La coquille représente la vie des prières, les gènes, entrer en protection, c'est protéger. Alléluia. Mais comme il y avait la porte là où les mollusques là sortaient, mais maintenant, quand ils sont attaqués, ils doivent entrer à l'intérieur. Non pas seulement quand ils sont attaqués, même lorsqu'ils veulent dormir. Alléluia. Lorsqu'ils veulent dormir, ils ne peuvent pas dormir à l'extérieur. Ils entrent aussi à l'intérieur. Donc, ils se protègent. Alléluia, contre toutes les attaques. Mais ce qui est extraordinaire, les ongles-là ont une odeur de parfum agréable. C'est l'adoration dans les combats. Alléluia. Vous voyez, les boucliers-là disent, mais maintenant l'odeur du parfum. Cela veut dire, même si l'adversaire était venu parfois pour détruire, c'est pourquoi un jour on a dit à Jésus, nul homme n'a parlé comme toi. Amen. Les gens sont venus pour l'arrêter. On envoie des gens pour l'arrêter. Ils l'ont entendu prêcher, ils ont dit non. Les soldats sont ratés, ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. C'est ça l'adoration. Vous savez, ton ennemi même peut changer d'avis. Alléluia. Ton ennemi peut changer d'avis à cause de l'adoration, à cause de l'exaltation. On nous a relaté l'histoire d'une dame, on voulait la tuer, elle était servante de Dieu. Alors il a dit à ces bandits, là, va que vous me tuez, donnez-moi du temps afin que je puisse rendre grâce à mon Dieu. Oh, église, elle a commencé à prier. La façon dont elle a prié, la façon dont seulement elle a adoré, ça a créé la confusion entre les bandits. Elle dit, non, on ne peut pas tuer une telle personne. Alléluia. Parce qu'elle a manifesté l'amour. Elle a adoré Dieu. Elle a élevé Jésus. Elle a dit, Seigneur, pardonne déjà ces gens-là qui veulent me tuer. Pardonne-les, que mon sang ne tombe pas sur eux. Elle a dit des bonnes paroles. Elle a dégagé du parfum. Alléluia. Le parfum qui était sur les ongles-là qui protégeaient les mollusques. Et après, les bandits ont dit, non, on ne peut pas te tuer. Alléluia. Vous voyez Jésus. On dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, les souverains sacrificateurs de l'époque, les pharisiens, les sadducéens, alléluia, tous contre lui, alléluia, les romains contre lui, Pilate contre lui, Hérode contre lui, est-ce que tout le monde a déjà été contre toi, alléluia, c'est ça l'opposition, et c'est pourquoi j'encourage ceux qui sont oppressés de persévérer, car les injures ne changent rien
par rapport au plan de Dieu sur notre vie. Oh, je peux parler à quelqu'un. Je dis, ce que les gens disent contre toi ne change rien au plan de Dieu. Dieu ne dépend pas de la vie des personnes. C'est là qu'on l'appelle souverain. Vous comprenez la souveraineté? Quand on dit Dieu est souverain, c'est pourquoi grâce à ça, la remontée m'a passé. Alléluia. Les gens qui aiment la justice, les gens qui disent que non, ça doit être comme ça, Dieu n'est pas le Dieu de comme ça. Alléluia. Il fait des choses parfois bizarres. Mais c'est sa volonté. Expliquez-moi, comment on pouvait choisir David et laisser ses frères qui étaient plus beaux, plus géants, plus forts que lui? Alléluia. Vous comprenez? Donc, il est important de comprendre qu'on doit ça, je voulais dire ceci, et ça montrer la manière dont Jésus va être condamné. Alléluia. Donc, le deuxième élément, Onyx, nous montre comment Jésus allait être condamné. Mais maintenant, les griffes odorifiantes, c'est sa foi. Alléluia. Qui a fait que Jésus, au moment où on était en train de les juger, de les condamner, de les flageller, Jésus spirituellement était entré dans sa coquille, dans sa foi. C'est pourquoi il ne parlait plus. Il ne répondait plus, donc il ne sortait plus. Alléluia. Il se cache. À l'intérieur, là, il cache sa tête. Et par rapport aux mollusques que vous voyez, leur coquille est efficace, mais leur chair est douce. Amen. C'est l'agneau et les lions. Écoutez la révélation encore. La coquille est efficace et forte, mais la chair est douce. Amen. La chair est douce. C'est pourquoi beaucoup de gens aiment aussi manger des moules. Alors, leur coquille aussi, les ongles là sont utilisés comme un bouclier. C'est pourquoi nous allons aller voir ça dans Éphésiens. Alléluia. Ça veut dire quoi? On dit de prendre Jésus comme modèle. Mais ici, comme modèle, ce n'est pas pour avoir des bénédictions. Vous savez, quand on lit le verset à moitié, on ne lit pas la suite, on dit, ah, Jésus qui c'est le consommateur dans notre foi. Par rapport à quoi? Ici, on parlait par rapport aux épreuves. Parce que dans les chapitres 11, on dit, beaucoup sont morts sans avoir vu l'accomplissement de leurs promesses. Mais ils sont morts dans la cirance, dans la fermeté. Alléluia. Ici, on parle de la cirance, de la foi dans les épreuves. Alléluia. Donc, de prendre Jésus-Christ comme, comme les consommateurs de notre foi. Amen. Oh mon Dieu, je suis là. Oui, je suis là. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande témoin. Donc là, on parle des héros de la foi. Amen. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe et si facilement. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vit de la joie qui lui était réservée à souffrir la croix, mépriser l'ignominie. Amen. Oh mon Dieu. Donc, mépriser l'ignominie, ça veut dire qu'ils ingérissent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qu'ils disent ce qu'ils croient. Moi, je ne suis pas là. Moi, je regarde Jésus. Je regarde mes promesses. Je sais ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Les gens ne croient qu'au résultat. Écoutez, tes ennemis, même tes proches, ils seront d'accord avec toi seulement quand ils vont palper les résultats. Le problème, c'est quoi? Le problème, les promesses, parfois, c'est l'intimité. Oh, je l'aime beaucoup, Papa Lambert. Un jour, il nous a saigné avec Maman Emérance. Il nous a dit ceci, des grandes choses sortent de l'intimité. Il nous a dit que la maman tombe enceinte dans l'intimité. Alléluia. Donc, notre intimité avec Dieu enfante toujours quelque chose. Alors, le problème, c'est comme Marie, seule Marie, savait que sa grossesse était du Saint-Esprit. Et sauf que, je dis toujours souvent ça, sauf si l'ange n'était pas parti, Gabriel, dire aussi à Joseph, ne quitte pas ta fiancée car la grossesse là est du Saint-Esprit, ça allait être scandale. Amen. On allait même lapider Marie. Donc, seule Marie et Joseph savaient que c'était la grossesse du Saint-Esprit. Ce n'est qu'après la manifestation du ministère de Jésus, déjà à l'âge de 12 ans, il était vraiment très très sage et plus intelligent par rapport à son âge. Et quand il a commencé ses ministères, là maintenant les gens ont crié. Lui, d'ailleurs, pendant même ces 3 ans et demi de ministère, c'est le peuple qui croyait, mais pas les autorités, pas les supérieurs, pas les responsables du temple et des synagogues. Alléluia, vous comprenez? Et il a méprisé l'ignominie. Il dit, je m'en fous. Il s'est assis à la droite du trône. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs.
les gens se sont rassemblés pour te détruire. Comment dire? J'ai dit aux gens qui font ça, c'est ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est lui qui a l'esprit de Dieu. Si tu n'aimes pas quelqu'un, donne-lui la chance. Pourquoi tu fais tout pour qu'il soit écrasé, pour que sa vie n'aille pas de l'avant? Mais ça, c'est la sorcellerie des jours. C'est la sorcellerie des jours. Tu vois, des gens commencent à faire des campagnes, détruire la vie des vies des gens. Il n'avancera pas. Ça, c'est la sorcellerie des jours. Tu es sorcier, tu es sorcière. Alléluia. Une telle opposition de sa part, de sa personne. Donc, et ils ont diffamé, ils ont détruit, ils ont... Oh mon Dieu. Est-ce que vous avez déjà pensé, alléluia, que les jours de la Pâque, Jésus a fait des miracles sur le même peuple? Qu'est-ce qui a fait que pour comprendre qu'il y avait une campagne de dénigrement? Qu'est-ce qui a fait que les mêmes personnes qui ont vu les miracles, les mêmes personnes qui ont vu les délivrances, les mêmes personnes qui ont vu la main puissante de Dieu, ils ont vu des miracles authentiques dans la vie de Jésus? C'est pourquoi j'ai dit à toi qui es serviteur de Dieu, servant de Dieu, il y aura toujours des ennemis, il y aura toujours des gens qui ne croiront pas à toi. Parce que dans ce monde, il y a des royaumes, il y a le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Le royaume des lumières et le royaume des ténèbres. Donc, nous sommes en guerre, il y a toujours l'opposition. Alléluia. Mais vous savez, qu'est-ce qui a fait que beaucoup de gens ne pensent pas à ça? C'est exactement quand on fait les élections. Alléluia. Chaque candidat, il y a des candidats qui se battent d'une manière, je dis, honorable. Il y a des candidats qui se battent en présentant son projet. Mais il y a des candidats qui se battent en détruisant l'autre candidat. Ça, ce n'est pas une bonne stratégie. C'est satanique. Ça, c'est la stratégie démoniaque et satanique. Il y a des gens aussi qui se battent comme ça sur la terre. Au lieu de faire son chemin, au lieu de présenter son message sur la télé, sur des chaînes, sur YouTube, Facebook, ce que Dieu t'a donné, dis-nous ce que Dieu t'a donné comme message. Quelle est ta mission? Toi, maintenant, tu t'es... Ta mission, c'est de chercher qu'est-ce que l'autre a dit pour combattre. Qu'est-ce que l'autre a dit? Mais toi, Dieu t'a donné quelle mission? Parce que nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des missionnaires. Nous devons avoir une mission. Quelle est la parole? Quel est l'insigne de l'Éternel? Chaque prédicateur doit avoir un domaine là où il excelle. Oh, tu me diras peut-être tu es juge. Amen. Qui t'a établi juge? Amen. Qui t'a établi juge? Parce que la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, c'est Jésus qui parle, il dit, il vous enseignera sur la justice de Dieu, sur le pays. Donc sur la justice de Dieu, la justice de Dieu. Amen. Sur les jugements, amen. Alléluia. Et sur les, donc il va vous enseigner sur le péché, la justice de Dieu et les jugements. La justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Amen. Tout simplement parce que nous n'avons pas besoin de juges aujourd'hui. Le seul juge, c'est Dieu. Et notre grand frère et notre avocat, il est assis à la droite du trône de Dieu. J'ai aimé Médard d'Espérance Maga nous a bien enseigné, les sacerdotes, c'est le rôle de l'avocat. Tu dois plus défendre les hommes de Dieu. Alléluia. Je suis venu t'encourager dans les épreuves, entre dans ta coquille et utilise les ongles des onyx, des parfums. Cela veut dire, ce qui donne la force quand on est attaqué, c'est l'adoration. Alléluia. Quand on ferme la porte, quand on ferme la fenêtre, quand les mollusques là, les coquilles, les escargots, les moules, se ferment à l'intérieur, ils ne voient plus ce qui se passe à l'extérieur. C'est quelqu'un qui comprend la sagesse. Donc, lorsqu'on t'attaque, ferme tes oreilles, ferme tes yeux, entre dans l'adoration, entre en retraite. Si c'est possible, fouille même, va en retraite. Cherche la face de Dieu, oublie, ne suis pas. Si les gens-là envoient des messages sur Facebook, ferme ta page Facebook. Alléluia. Si tu appelles au téléphone, ferme ta téléphone, ferme tout. Regarde la face de Dieu. Adore. Ce n'est pas fuir. C'est se protéger. Alléluia. Vous voyez, les ongles-là sont en parfum. Parce que les ennemis pillent. Amen. Oh mon Dieu, Jésus. Je peux parler ça proprement. Amen. Quand nous étions des enfants, peuple de Dieu, s'il vous plaît, je prêche avec Pider. On parlait ennemi solo. Ennemi solo, ça voulait dire quoi? Les termes voulaient dire, il faut fuir l'ennemi. Comme on fuit la mauvaise odeur. Amen. On disait ennemi solo. Pour ceux qui ne comprennent pas les lingala. Amen. Donc, il faut fuir le plus loin possible de ton ennemi. Alors, pour ne pas... Maintenant, les ongles là sont en parfum d'une bonne odeur. On dit des griffes odorifiantes qui ferment la porte pour ne pas sentir l'odeur. Des oppressions, des attaques. À l'intérieur, là, vous imaginez, quand les ongles là se ferment, à l'intérieur du coquillage,
les mollusques là ne sentent que l'odeur agréable. Donc, à l'intérieur de leur coquille, ils sentent que l'atmosphère de Dieu, l'atmosphère de la présence de Dieu, c'est la même chose. Regarde l'image du tabernacle. Le tabernacle a trois parties. La partie de parvis, ça c'est réservé au peuple, à part les femmes de l'ancienne alliance, mais les hommes entraient pour faire des sacrifices en compagnie des lévites et des sacrificateurs. Mais les lieux saints, les lieux très saints n'avaient pas de fenêtres, n'avaient pas de portes ni de fenêtres. Donc, quand on entre avec ces rideaux-là pesés, il y avait, oh mon Dieu, je vais vous parler, 5 épaisseurs, je crois, des rideaux. Ça, ce n'est pas mon enseignement d'aujourd'hui. Amen. Et ça pèse. Quand on y entre, on n'attend même plus ce qui se passe à l'extérieur. Vous comprenez? C'est ça, s'enfermer. C'est ça qu'on est coquillage. Alléluia. Mais le parfum d'une bonne odeur. Écoutez maintenant, pour atterrir, nous allons prendre, Rabadoche, Éphésiens. Nous allons prendre Éphésiens. Amen. Rabadoche Tsebe, Ephésiens chapitre 6, versets 10 à 11 et 14 à 18. Ephésiens chapitre 6, on va atterrir là. Ephésiens chapitre 6, Robadasha Tsamandayasha. Parce que notre combat avec l'ennemi, c'est le combat de la foi. Alléluia. C'est le combat de la foi. Alléluia. C'est le combat de la foi. Rekabarochete, Rekabarashe Tamandayasa. Ah, j'ai dit bati kayo, alléluia, bati kayo, rababa, sauté bango, bati kayo, tu es dédié, tu as la chose dédiée, rabada, j'ai dit tu as la chose dédiée, ne te préoccupe pas de, prends tes ongles odorifiants, protège-toi, entre dans ta coquille, entre en prière, ferme tes yeux, ferme tes oreilles, ferme même ta bouche, adore, alléluia, Jésus, il a supporté l'opposition, oh, j'ai pas terminé l'histoire de Jésus là. Amen. Vous imaginez comment est-ce que ces gens-là, les jours de la Pâque, à la place, oh mon Dieu, à la place de choisir que Pilate puisse libérer Jésus, et ils ont choisi Barabbas. Amen. Vous imaginez quelqu'un qui n'a pas commis de péché, Yesu abundate, aswanate, à part quand il a chassé les gens au temple, qui vendaient. C'était des marchands, et les gens qui vendaient là, c'était la haute classe. Or, vous savez, dans le peuple, il y a plus la basse classe et la moyenne classe. Et ce sont pas, c'est pourquoi je dis, ce ne sont pas seulement les autorités qui ont crucifié Christ, c'est tous les peuples. C'est tous les peuples. Ils ont choisi Barabbas à la place de Jésus. C'est qu'il y a eu une campagne de dénigrement. C'est ce que la Bible dit. Il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs. Alléluia. De la part des pécheurs, une opposition. Quelqu'un qui n'a pas fait du mal, mais Balinga qui était. Et toi tu crois que tu es plus saint que Jésus. On va toujours te combattre. Notre problème, c'est la chose que tu as. C'est l'onction, c'est ta mission qui est combattue. Ce n'est même pas ta personne. C'est le contenu. Biamunda, Bilokwakat, c'est le contenu. C'est ce que tu as. C'est la chose que tu as qui est contenue, qui est combattue. Vous voyez des voitures. On ne suit pas tous les voitures. Mais il y a des voitures qui transportent l'argent. On suit ces voitures-là. On ne suit pas la voiture comme Caracas. On suit l'argent qui est dedans. Même à l'époque, il y avait des caravanes. Mais on suivait, on attaquait les bandits, attaquait les caravanes des riches. Ils savaient. C'est pourquoi il y a des gens, quand ils transportent beaucoup d'argent, ils s'habillent bizarrement. Vous ne pouvez pas faire attention à lui. Alléluia. Ou bien ils prennent même un taxi. C'est comme ça. Malheureusement, si tu es, on t'a vendu ou bien quelqu'un a signalé le taxi, là aussi peut avoir des bandits dedans. Mais pour que quelqu'un puisse savoir que tu as beaucoup d'argent là, il faut seulement que ces gens-là soient signalés. Donc, or, le diable aussi voit ton étoile. Il voit la lumière parce que spirituellement, nous brillons. Un jour, je vais parler de ça. Il y a plusieurs, chaque étoile a son éclat. Donc, spirituellement, nous ne brillons pas de la même manière. C'est pourquoi ta vie est combattue. Écoutez Ephésiens 6 pour clôturer. La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc, dans le combat, on nous dit de nous fortifier dans le Seigneur. Donc, de ne pas s'occuper de ces gens-là. Comment se fortifier dans le Seigneur? Dans l'adoration. C'est ça les ongles adorantes. Onyx. Amen. Les ongles odorants, pardon. Ongles odorants. Coquillage odorant. Revêtez-vous de toutes armes afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Donc il faut avoir toutes les armes. Alors maintenant 14. Amen. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité sainte, revêtez la cuirasse de justice, coquillage, pour protéger vous. Mettez pour chaussures vos pieds de zèle, j'ai parlé.
Mais maintenant, verset 16, vous voyez, maintenant tu vas comprendre. Prenez par-dessus tout, c'est là les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit. Rabada, Shetsamanda Yasa, Rabatoso, en tout temps par l'esprit. Menta, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Vous voyez, la persévérance est venue. Et si vous retournez, non, les diables fait tout pour nous séparer de Jésus. C'est pourquoi j'ai chanté Bisson Bambana. Je vais terminer par ça. Oh mon Dieu, ça m'a fait du bien. Rabade chete bébé. Or, si vous prenez Hébreu, je vais terminer par là. Hébreu 12, verset 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande niveau de témoins, rejetons tout fardeau et péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. Ça revient. Dans la carrière qui nous est ouverte. La carrière, ce sont tes promesses. Dieu te connaît, Dieu t'aime. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Tu es ici sur la terre, tu as une mission. Ne suis pas tes ennemis. Ne suis pas tes ennemis. Alléluia. Enferme-toi dans la présence de Dieu. Enferme-toi dans l'adoration. L'air à vie ne te préoccupe pas. Écoute, je reviens dans Apocalypse 8, 3, 5. Toutes choses se décident au ciel. Alléluia. Ont, c'est comme si les gens qui disent des choses. Un jour, Rabada Chata. Je peux parler. Amen. Oh, je vais quand même parler. Un jour, quelqu'un m'appelle. Je garde son nom. Il me dit, oh, mais pourquoi toi tu es paniqué quand les gens disent ceci, cela, cela, cela. Un humain, vous comprenez, parmi mes chefs. Il me dit, mais tu ne sais pas que tout ce que les gens là disent ne peuvent pas t'affecter tout simplement parce que non, la décision dépend de nous. Bon, je vais ouvrir la parenthèse. C'est par rapport au service, aux fonctions que j'assume. Ils m'ont dit, tu dois être paniqué ou stressé si nous parlons. Quand les gens disent n'importe quoi, tu t'en fous. Alléluia, parce qu'ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Ils n'ont aucune décision sur toi. Alléluia, tu comprends? C'est la même chose maintenant avec Dieu. Quand les gens disent n'importe quoi sur toi, l'air à vie ne compte pas. Écoutez-moi, l'air à vie ne compte pas. C'est la vie de Dieu qui compte. Quelqu'un m'attend. C'est la vie de Dieu qui compte. Abado shit. Et elle regarde sur Jésus, le chef et le consommateur d'une fois, en vue de la joie qui lui était réservée à souffrir la croix, mépriser. Donc, il voyait, Jésus voyait déjà la promesse à mépriser l'ignominie. Alléluia. Considérez celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragé. L'âme est découragée. Donc ici on s'adresse à l'âme. Parfois tu dis j'abandonne. Na lembi nanga na tiki nanga, na changer nanga église, na kimi nanga, makambo ngwe lembi singa, d'ailleurs kutu na baye nanga, je suis fatigué, j'en ai marre. Pourquoi? Dans toutes ces choses, tu dis fatigué, tu en as marre parce que X, Y, Z a dit, a fait, a crié, a dit qu'il n'y croit pas à ton ministère, tu t'en fous parce que c'est pas lui qui t'a appelé, il t'a dit que tu n'es pas serviteur, tu t'en fous parce que bien sûr, tu n'es pas son serviteur, tu es serviteur de Dieu, Rabada Chatsama. Il t'a dit de rebongate qui t'en fout parce que ce n'est pas lui qui a les derniers mots sur ta vie. Rabado Chetsebe. Alors, nous, parfois, qui t'en fous. Moi, j'aime dire Sambanda ni Makambanda te. Akondimayo jamais pour Alingi yote. Tu prêches bien. D'ailleurs, nous tendons tous vers la perfection à chaque fois. Écoutez, je vais te révéler quelque chose. Vous savez, quand les gens te disent quelque chose, tu ne chantes pas bien, tu ne fais pas ceci, c'est pour arrêter ta progression, en fait. Parce que quand tu arrêtes de faire la chose, tu n'avances plus. Celui qui n'avance plus recule quelque part. Par rapport au nombre des années, tu vas voir que tu étais en train de reculer. Et ceux qui disent, je m'en fous de ce que les gens disent, et continue à travailler, à faire ce qu'il fait, tu verras, lui, il avance. Mais quand toi tu dis, moi aussi je m'arrête, je ne fais plus ça, là toi tu t'arrêtes. Alléluia. Tu t'en fous. Rabaloché, t'es beau, 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 beau. Rabaloché, t'es beau, 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 beau
Akumame, je termine par là. Oh Akumame, Jésus, Akumame, Yesu. Ah, il est bon, Akumame, mais tu t'en fous, Jésus t'aime. Akumame, Bisombamba, na Yesu, Bisombamba, Bisombamba, na Yesu, Bisombamba, Akumame. Akumame, Jésus, Akumame, oh Akumame, ya ya ya, Akumame, Jésus, Akumame, Rabadoche, Sayasa, Akumame, Bisomba, Bana Yesu, Bisomba, Mba. Bisombamba na Yesu, Bisombamba. Quand je chante, écoutez maintenant. Pilate a vu en Jésus le fils de l'homme. Mais Jean-Baptiste a vu en Jésus le fils de Dieu. Les Pilates de ta vie ne verront que votre face humaine. Ils verront que l'humanité en toi. Ils verront que les faiblesses. Ils disent voici l'homme. C'est pas n'importe quel homme. Pilate parlait de l'homme faible, l'homme qui a été flagellé, l'homme qui a été injurié, l'homme qui avait le visage déformé, la chair est faible, l'homme qui a été écrasé, rabadoché. On lui a donné des coups, rabada chata, bizarre, les sang couler, rabadoché. Pilate voulait dire il n'est qu'un homme. Or il ne savait pas en lui habiter corporellement la plainte de la divinité. Pilate a dit voici l'homme. Faites votre choix, oh mon Dieu. Dénigré. Ils ont dit qu'il travaille avec l'esprit de Jézabel, de Bézéboul, oh mon Dieu. Rabadoché, or en lui s'est caché la peine de la divinité, parce que Jésus est la mal caché. Or Esaïe dit, ils ont les yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont les oreilles pour attendre, mais ils n'attendent pas. C'était par révélation, Israël devait être rejeté. Pour que toi et moi, la nation soit sauvée, les nations soient sauvées. Oh, c'est pourquoi Israël ne pouvait voir qu'en Jésus un homme. Mais nous, nous avons vu en Jésus. Alléluia, notre Sauveur, notre Messie. Oh, Akumame, Jésus, Akumame, Yesu. Pourquoi Pilate a dit, voici l'homme, mais Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau. Parce que Pilate a vu le fils de l'homme, mais Jean-Baptiste a vu le fils de Dieu. Bonza Pilate Noto, Yabolembu, Alon Abitumba, Yateofile, Yeselombe, ah 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 ah, Jésus, oh Yabilanga, oh Yeselombe, Nayembi, Yabilanga, Jésus, Yeselombe. Bisombamba na Yesu, Bisombamba, Bisombamba na Yesu, Bisombamba. N'abandonne pas. Je dis à quelqu'un, n'abandonne pas. Je dis à quelqu'un, ne lâche pas. Tu es de Dieu. Tu as la chose de Dieu. Persévère. Continue. Ne lâche rien. N'abandonne rien. Tu t'en fous de ce qu'ils pensent de toi. Tu t'en fous s'ils ne croient pas dans ton ministère, dans ton appel. Tu t'en fous s'ils ne croient pas à tes talents. Toi, persévère et avance. Ah! Oh, Akumame, Bisombamba na Yesu, Bisombamba. À la prochaine, que Dieu vous bénisse. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde.
permis de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il était l'image de Jésus-Christ. Souverain sacrificateur pour toujours. Souverain sacrificateur à perpétuité. Selon l'ordre de Melchisédek. Selon l'ordre éternel. Assis à la droite du trône de Dieu. Assis à la droite de la droite du Père. Comme ministre du sanctuaire. Il était le véritable ministre. Et du véritable tabernacle. Du tabernacle.